Hey, salut tout le monde, c'est Atomania. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de Pokémon Ultra Lune. Donc, dans le dernier épisode, nous étions sur l'île Noix de Coco. Nous étions arrivés au Grand Canyon de Pony aussi. Donc, dans cet épisode, on va continuer. On va continuer, tout simplement. Bon, je me demande un petit peu ce qu'il y a par là. Il n'y a rien. Ok. Alors. Ah, l'effet du répulsif, allez, oui, parce qu'il y a de l'observe. De l'observe, ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, une poule. Un total son. Bon, ça, c'est nickel. Bah, sachant que j'en aurais pas besoin. Alors, un karatéka. Alors, je vaincrai, c'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a comme Pokémon? Il s'appelle Joaquin. Il s'appelle Joaquin, le karatéka, quand même. Alors, un Tartare. Oui, l'Arvitrick, go. Non, ouais, lui. C'est pas. Bah, ça sent pas efficace face à Tartare. Dynamo point. Ouais, bah, ça par contre c'est très efficace sur ouais, c'est sur Zoro. Et ça va, le vrai l'Arvitrick a l'avantage. L'Arvitrick. Allez, ça va être bon. Et allez, tonnerre. C'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bien ça. C'est très très bien. 1280 54. J'ai battu Joachim. 3008. On a combien d'argent sur lui? On va voir. On va voir. Passe dresseur. 56 000. Oh, ça le voit. Allez, on aura de quoi s'acheter des soins. Alors, sac. Herbe rappel, ouais. Voilà. C'est par là. Allez. Hop. Alors, les meilleurs, c'est nous. On fera pas de quartier. Ok. Alors, Murphy, le tomasseur, veut se battre. Murphy, le tomasseur, va un Gravalanche. Ouais. Non, c'est pas bon. Tant pis. Gravalanche. Ballombre. L'Arvitrick. Ouais. Il utilise Ballombre. Non, c'est zéro. Ouais, Gravalanche, très 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 mauvaise attaque spéciale. Non, défense spéciale, plutôt pas attaque spéciale. Sur 3 minutes d'épisode. Non, ouais. Low class. Un low class. Très bien. Je suis plus rapide que le low class, quand même. Oui, bien plus rapide. Ouais, la défense spéciale a bien diminué. Saumure. Ah bah oui. C'est de rare. D'ailleurs, bon, comme sa défense spéciale a bien diminué, je vais faire plus mal. Oh oui, ça fait un peu plus mal, donc ça va. Alors, Zoro. Allez, hop. Et. Ah, dommage. Dommage. Bon, je peux terminer avec un petit combo griffe. Voilà. Et. 1600. Vous avez battu Murphy le Tomblasseur. Bon, ok, c'était Pokémon et toi des meilleurs. Vous avez fait une démonstration d'acier. Hop, alors.
prouve-moi que la confiance règne entre tes Pokémon et toi. Mais pas de problème. Alors, Itomi, la vénérable, veut se battre. Un flambuseur. Trois Pokémon, quand même. Je prends 5 minutes d'épisode. Et pas l'ombre. Le flambuseur utilise feu follet, mais il a raté. Il a raté. Oui, tranche nuit. Feu follet. C'est pas bon. Ah, en plus, oui, bah oui. La brûlure qui dit toujours l'attaque en même temps. Elle recharge. De toute façon, c'est pas un Pokémon de type insecte. Non, c'est pas un Pokémon de type insecte. Kenda, c'est Zoroark. Et oui, c'est bon. Allez, 1498. Ah, purée, j'ai pas de guérison, rien. Ouais, Lord. On va changer de Pokémon. Nous allons envoyer l'Arbitrique. Ouais, Lord. Allez, l'Arbitrique, c'est à toi. Ouais, Lord. Ouais, Lord qui est très très lent. Il est très très lent, le Ouais, Lord. Il est très fragile aussi. Apparemment. 1464. Givrali. Bah normalement, je crains pas le type glace. Enfin, Lucan ne craint pas le type glace. Donc, l'arbitrique, je vais faire ça. Suivre le glacé. Ok, coup, il m'a fait un coup critique, pourquoi pas. Hop, souffle glacé. Je vais pas faire un coup critique. Ah bah il a fait deux coups critiques. Il aura pu faire des coups critiques. Hein. Allez, Prédaster, c'est à toi. On va. On va lui faire Cradovague. Ou ébullition, tiens. Souffle glacé. C'est pas efficace. Trois. Et souffle glacé, c'est un moment important de coup critique ou quoi? Voilà, c'est moi qui attaque en premier. C'est nickel. Allez, salut. Hop. Ça en fait monter niveau 53 et après une attaque ou quoi? Non, il a pas mal. C'est magnifique, tant de confiance me mettrait presque l'arme à l'œil. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bon, on va utiliser une arme rappel. Voilà, pour l'arbitrique. Une racine énergie. Une racine énergie. Et une racine énergie. Alors, les totals. Bon, ça va, j'ai tant qu'il brûle. Bon, allez, hop. On arrive presque au bout de l'aventure, quand même. Hop. Presque au bout de l'aventure. J'étais en train de jouer tout à l'heure. Ah, ah plus on voit pas. Voilà, voilà, c'est ça. Mario plus lapin crétin Kingdom Battle. Que j'ai acheté ce matin. Enfin hier, plutôt. Voilà. Tranche de lui. Hop. Vent arrière. Tu me fais des vents arrière, mon petit gars. Tu me fais des vents arrière. Hop, tranche nuit. Reflet magique. Tranche nuit. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, niveau 54. C'est bien ça. Machination. Non. Il apprend pas ça.
Libégon. Ah, j'ai bien. Ouais, mais il n'y a pas d'attaque de type dragon. Ah oui, salut. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Allez hop. Moi, je suis désolé, c'est un petit peu mal cadré. J'ai pas trop le choix. Je suis dans ça comme ça. Allez, attaque. Hop, force Z. Hurlement des roches lames. Séisme. Ah. Ça va faire mal. Ouais. Ça fait très mal. Très très mal. Non mais je suis bête. Ébullition, allez, faut le brûler. Le libégon qui se séisme. Je vais perdre, hein, c'est un vrai seul. Voilà, allez. Brûle-le, hein. Brûle-le. Yes. La brûlure, il souffle sa brûlure, donc ça va. Et hop, sac. Hyper potion. Allez. Hop. Ça va diviser son attaque par deux, donc ça, ce sera un peu moins puissant. Oh, oui, beaucoup moins puissant, même. Beaucoup moins. Hop. Allez. La vive griffe, qu'est-ce que c'est que la vive griffe. Et ici, j'espère que la volure va comme. Non. Hop, hyper potion. Ah, bien joué. Wagada. En plus, moi, j'utilise une hyper potion. C'est comme ça. Allez. Hop, allez. En plus, il a bien l'avantage sur Wagada. J'ai bien l'avantage. Psycho. Et ouais. Ah purée, ça fait mal. Très très bonne attaque spéciale, Wagada. Allez. Je suis plus rapide que lui, Wagada, donc ça va. Allez, hop. Salut. Ah, même pas. Psycho. T'aurais pu faire un coup critique. Hein. Allez, hop. Dans l'hiver, l'âme d'air. C'est bon. Un bruit verne qui est devenu vachement très très puissant. Prénastère. Ok, libégon. Ouais. Depuis qu'il a évolué, la Sonistra, depuis qu'il a évolué en bruit verne, il est devenu vachement puissant. Hein. Ouais, il perd plus qu'un match. Hop, 55. Pas mal. Un ectoplasma. Allez, on va continuer à le brûler. Hein. Il est plus rapide qu'ectoplasma. Non, il est pas plus rapide qu'ectoplasma. Allez, hop. Ah dommage, Cormoli. Mais au moins, ça m'a pas empêché. Ça va pas m'empêcher de faire ça. Hop. C'est bon. Ouf. Ok. Allez. Ouais. Pfiou, quelle force. Je ne peux qu'admettre ma défaite. Voilà, tu l'admets si tu veux. Alors, sac. Ouais, allez. Et une herbe rappel.
Attendez, on va sauvegarder. On va sauvegarder parce que nous sommes à 15 minutes d'épisode. Attendez. Ouais, nous sommes à 15 minutes. Ouais. 15 minutes, ouais. Alors, phew, désolé pour la course à pied, c'était vraiment pas mon point fort. Phew, là là. De manière, nous approchons de l'hôtel. Merci. Avec tes plus forts, plus forts et avec les défis. Merci. Oh. Vous déchiffrez à grande peine un texte gravé en langage des arbis, je sais pas. Allez. Oui. Début de l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Vous vous sentez observé. Un bébé caille. L'arbitrique. Le bébé caille qui va souffrir pour 12 niveaux. De cartes. Oui, il y a. Ouh, il souffre bien, le bébé caille. Il souffre très bien. Oh, bah, juste faire cette épreuve. Hein. Après, ce qui traîne. Tranche nuit. C'est bon. Allez hop. On regarde ce qu'il y a ici. Hop. Draco griffe. Pas mal pour rouge de batte. Même si c'est physique. Hein. Rouge de batte a quand même une attaque physique qui est pas dégueulasse. Alors. On va aller à la place de Plécroix. Allez. Et rouge de batte n'a pas. Il y a une attaque physique qui est pas dégueu quand même. Donc je pense que Rosebat pourrait nous être utile. Alors. Hop. Mon Rosebat, tu peux nous être utile. Allez. Voilà. Comment il s'appelle déjà lui? Un Ekaïde. Ekaïde, c'est la prochaine évolution. Allez, on va tester ce Draco Griffe. Et c'est bon, one shot. Voilà. Alors, l'impression d'être observé se fait de plus en plus oppressante. La sueur coule le long de votre nuque. Non. Alors. Oui. Ouh, les Kaisers dominants. Dun. C'est ça la musique. Allez, hop, les Kaisers dominants veulent se battre. Qui est chez Nilok. Les Kaisers dominants dégagent une aura qui augmente ses stats. Rouge de batte, go! Alors, c'est quoi qui y a? Alors, attaque, la défense. Ok. Il faut une attaque, il faut une défense. Est-ce que je suis... Oui, je suis beaucoup plus rapide que lui. Ouh, Draco Griffe. Aïe. Ah, il appelle à l'aide. Un bruit vert. Lol. J'aurais pu en capturer un ici. Allez. Il faut affronter City Kaiser. Allez. Fin coup critique. C'est super efficace, les casseurs de minifus de Draco Griffe. Et son effet unique de Rougebat. Draco Shock
Il a Dracochoc, lol. Allez, est-ce qu'il va survivre au Dark Larian? Allez! Oui, je suis en feu. Alors, Dark Larian. Dark Larian, allez. Dark Body Press. Et Kaiser. Est-ce que je suis plus rapide que les Kaiser? Vampipoint. C'est fois 1. Coup critique, lui. Coup critique, lui, on va le faire un coup critique et pas moi. C'est ça? C'est ça le truc? Alors. Hop, Sally. Ah, c'est vrai, il a un vampipoint, mais est-ce que je suis plus rapide que lui? On ne sait pas. Hop, hurlement. Voilà, sur les Kaiser. Vampipoint, mais quoi? Mais quoi? Yes! Ça l'a pas tué. Les bruits viennent, je crois qu'il est beaucoup plus rapide. Ouais. Oh, ça va, il a fait que grincement. Il a fait que grincement. Hein. Allez. Allez. Oui. Allez, hurlement des Roche-Lame. Est-ce que ça va suffire? On ne sait pas. On ne sait pas. Allez. Il est chaud à battre. Hein. Chaud patate. Hein. Alors. Ils ont eu les arbres à pelle. Oh, ok, ils sont là. Voilà. Vampipoint. Allez. Est-ce que je suis plus rapide que le... que les Kaiser? Je pourrais peut-être au moins le paralyser. Cage éclair. Allez. J'essaie de le paralyser, je suis désolé d'avoir fait bouger le téléphone. Dans la côte, je suis pas plus rapide que lui. Critique, grincement, donc ça va, et hop, cage éclair, le cage est paralysé, on va paralyser lui aussi, comme ça sera fait. Bruit Vermis Bang Sonic, anti-bruit des Kaiser. Non, moi j'ai pas anti-bruit, j'ai lévitation. Yes. Draco. Ça devrait aller à partir de maintenant. Allez. Et tu me fais un petit coup critique, Bruit Verne. Efficace sur les Kaiser. Allez, Dracobus. Yes. Là en ce moment ça va. Ça va. À partir du moment que les Kaiser est paralysé, et un coup critique ça va le tuer. Là. Allez. Et courage. Faut garder courage. On a réussi à paralyser les deux. Hein. Et non. Draco. Ça va me tuer. Bah oui. Zoro.
00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 0